Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On va ouvrir un kit de points de croix estampés du 11CT. Je vous montre l'image. Ça brille un peu. Et je vous la remontrerai. Je crois que j'ai une... Ah non, je crois pas. Alors, c'est sur le site Pesson Mouet. Je les trouve pas mal. C'est ces petites pochettes là. Avec le petit bouton pression. Donc du coup, hop, le modèle. Alors nous avons 36 couleurs, que du full stitch. J'essaie d'ouvrir. Hop. Alors, elle se fait comme ça. Modèle bien un peu moins grand que les autres, mais c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. De l'autre côté, c'est comme ça. Voilà. Après, on regarde. C'est aussi une grande toile. Hein. Alors, nous avons un toolkit avec, excusez-moi, voyez pas, un enfil aiguille, une bague, une mousse, une petite boule avec 1, 2, 3, 4, 4 aiguilles. Hop, 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 ça tombe. Alors, nous avons deux cartonnettes. Alors, je vous montre ça de la première à la 22. Je vais essayer de vous montrer tout d'un coup. Je vais peut-être la tourner comme ça. Pour l'instant, j'ai jamais reçu ces cartonnettes là. Je vais essayer. Dites-moi vous si vous avez déjà reçu ces cartonnettes là. Voir ce que vous en pensez. Cela, il n'y a pas de nœud, il n'y a rien. J'ai un peu peur que ça dégringole au fur du temps de faire la toile. Dites-moi en commentaire. Et la deuxième. Hop. Alors, ce qui est bien, vous voyez, vous avez... Ils vous mettent pas de tresses. Ils vous mettent par exemple là, comme il y en a beaucoup, ils vous mettent deux numéros 34. Là, il y a 4 numéros 35 et un 36. Je vais vous essayer de vous la tourner. Peut-être vous la... Elle est un peu abîmée déjà. Je ne l'avais pas ouverte. Mais bon, c'est qu'une cartonnette. Hein. Après, il y a du poids dessus. Voilà. L'autre aussi a abîmé. Ils ne tiennent pas. Hop. Et là, donc, c'est du 100, bah comme les autres, c'est du 173 sur 236 points. Et là, elle se regarde comme ça. Ce qui est un peu dommage, c'est que l'image est comme ça. Et la table des matières est de l'autre sens. Ils auraient pu la mettre du côté là. Ça aurait été plus facile. Mais bon, c'est pas grave. On va s'y faire. On va regarder s'il n'y a pas de décalage. Ça a l'air d'être bon.
On va regarder vers le milieu. Parce que des fois, il y a au début, il n'y a pas de décalage. Ça a l'air d'être bon. Après, je connais pas le fournisseur, mais bon, il a l'air d'être pas mal. Ah, il y en a encore, et il y a encore deux aiguilles là. Voilà, et c'est surjeté. Ah, je vais pas regarder les autres si c'était surjeté. Mais bon, je pense, vu la qualité, du fournisseur, je pense que c'est. Voilà. Et là, il n'y a pas de petite image autocollante. Dommage. Je range tout ça. Hop. Ça s'enfile très bien. Voilà. Écoutez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne après-midi ou une bonne soirée suivant à quelle heure vous regardez ma vidéo. Je vous dis à la prochaine. Bye bye les amis!